C'est une exposition que nous avons commencé à préparer il y a un peu plus d'un an. Ça a été un long process parce que c'était une exposition pleine de rebondissements, d'aventures et de métissage. Donc il a fallu mettre tout ça en place, ce qui n'a pas été toujours très facile. C'est une rencontre entre le Japon et la Colombie, deux cultures qui sont très différentes en apparence, si ce n'est diamétralement opposées. Donc nous avons vraiment voulu créer quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique et créer une synergie entre ces deux aspects artistiques. Donc cette fois-ci, c'est une exposition consacrée pour Armando Messias et Masahiro Inoue. L'idée, c'était de faire collaborer une œuvre, enfin, une technique artisanale très ancrée dans l'histoire, transmise de génération en génération, et un artiste plasticien, de façon à ce qu'il y ait un dialogue qui se forme entre la Colombie, le Japon, à travers cet espace qui est à Paris. Mi nombre es Armando Mesías y soy un artista de Cali, Colombia. Hace unos 3 años que me mudé a Europa y hace aproximadamente 2 vivo y trabajo en Barcelona, donde tengo mi estudio. Este es un proyecto que se volvió internacional no solamente en la teoría y en su planteamiento, sino también en la práctica, ya que muchas de las piezas fueron desarrolladas en Colombia, otras en Barcelona, otras en París y otras de parte de los artesanos en Kyoto. Así que de verdad hay un poco de todos estos países en cada una de las piezas. Muchas de ellas viajaron a todos estos destinos. Las motivaciones del proyecto para mí principalmente son generar un diálogo, digamos un espacio de interacción entre ambas culturas en un terreno neutral, que en este caso es París. Yo creo que este proyecto abre la puerta que por lo menos aquí en París se pueda convertir en un melting pot de diferentes culturas y se pueda explorar en términos del arte.